les riches et les puissants vous veulent pas debout, mais ils vous veulent soumis, courbés au service exclusif de leur recherche effrénée de dividendes et de profits en millions d'euros. Je tourne la page, tiens. Je peux coller le micro à la... Voilà. Bien. Oui, mais je vais attraper les microbes de l'autre. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monique Pinson-Charlot, qui est sociologue à la retraite, mais anciennement directrice de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste de la bourgeoisie, même de la grande bourgeoisie, de la noblesse, de ses loisirs comme la chasse à cour, de ses lieux de résidence, les clubs, les châteaux, les gated communities, aussi de des grandes dynasties familiale de la noblesse française. Vous avez consacré un ouvrage au Rothschild. Et aujourd'hui, je vous reçois pour discuter de l'ensemble de vos travaux, mais aussi un petit peu plus particulièrement de votre dernier ouvrage paru aux éditions textuelles, Les prédateurs au pouvoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans vos travaux, je voudrais vous poser une petite question personnelle. Je vous ai présenté, en réalité, il aurait fallu préciser tout de suite que l'ensemble de ces travaux, ou en tout cas la quasi-intégralité, ont été effectués et écrits en collaboration avec votre mari, Michel Pinson. C'est assez rare dans le milieu de la recherche de travailler à plusieurs et encore plus de travailler en famille ou en couple, si j'ose dire. Oui, je pense que ça, je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas d'autres exemples que le nôtre à donner. Et le couple, notre couple, c'est la clé de notre travail, c'est la clé du succès de notre travail, c'est la clé de la possibilité d'avoir pu rentrer dans ces grandes familles. Alors, pour plusieurs raisons, c'est que d'une part, on est plus fort à deux, et que d'autre part, un couple uni dans la grande bourgeoisie, c'est déjà une petite famille. Or, la famille est au cœur du dispositif de la transmission des privilèges, au cœur du dispositif de la reproduction des rapports sociaux de domination, de telle sorte que nous étions parfaitement en phase, de ce point de vue, avec les familles auprès desquelles nous souhaitions enquêter. Ça permet d'instaurer une forme de confiance initiale avec les enquêtés. Oui, tout à fait. D'accord. Et puis... tous les deux, on a tout de suite été invités. C'est moi qui ai fait le premier entretien. Et le soir même, quand je suis rentrée à la maison, Michel m'a dit, bah, dis donc, tu as dû taper dans l'œil du comte Cahen d'Anvers. Elle était son titre, un propriétaire de Château Bargeau, très sympa. Et parce qu'on est invité ce soir à un petit dîner, il a dit que ce serait exquis, charmant. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Ben, il m'a dit, j'ai accepté. Ben, j'ai dit, mais comment on va y aller? Alors il a dit, ben, on va aller m'acheter un costume. Enfin bref, on a fait les petites emplettes qui nous ont paru nécessaires. Et puis voilà, l'aventure commençait comme ça. Alors il y a une autre spécificité qui me frappe dans la manière dont vous travaillez avec votre mari, c'est que les sociologues d'ordinaire, ils restituent leurs résultats dans des articles scientifiques ou dans des livres, et vous en avez produit beaucoup, mais vous ne vous contentez pas de ce support-là, vous allez aussi vers des supports peut-être accessibles à un public un peu plus large, comme le documentaire. Vous avez participé à un documentaire sur la grande bourgeoisie, Voyage dans les ghettos du Gotha. Vous avez aussi coécrit une bande dessinée passionnante qui vous met en scène avec la dessinatrice Marion Montaigne, Riche, pourquoi pas toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une volonté d'ouvrir la sociologie au grand public? Oui, alors d'abord je dirais qu'avec notre travail sur la grande bourgeoisie, on a appris qu'on pouvait être dans le cumul permanent, le cumul des différentes formes de richesse, la richesse économique, la richesse culturelle, la richesse sociale et la richesse symbolique, on pourra y revenir. L'idée du cumul est une spécificité de la grande bourgeoisie.
Par contre, dans les classes moyennes intellectuelles, on est toujours dans des fausses oppositions, on est toujours dans des faux débats, on oppose le quantitatif au qualitatif, on oppose les articles dans la revue française de sociologie, donc qui est la revue la plus académique et légitime dans laquelle nous avons publié, mais on peut aussi faire des publications qui soient plus accessibles à des publics différents pour précisément, comme vous l'avez dit, transmettre des savoirs sociologiques qui ont été acquis tout de même dans une institution publique, le Centre national de la recherche scientifique. C'est donc quand même les contribuables qui, pendant 40 ans, nous ont payé nos salaires et nous payent notre retraite aujourd'hui. Et donc, nous, avec Michel, on s'était toujours dit, notre devoir, c'est, on a deux devoirs à accomplir. D'une part, un, faire de la recherche fondamentale. On n'est pas payé pour faire de l'enseignement, pour diriger des thèses, mais pour trouver des sujets qui n'ont pas été trop traités. Donc, d'où cette idée de travailler sur la grande bourgeoisie. Et deuxièmement, de diffuser de manière très diverse, jusqu'à, par exemple, aller dans le camping des maths du comité d'entreprise d'EDF sous la pluie en plein mois d'août et d'organiser avec des campeurs d'origine très modeste des jeux apéro autour de la fortune, des grandes fortunes, de la grande bourgeoisie. Il y a eu une inflexion dans votre trajectoire, en tout cas c'est l'impression que j'en ai depuis une dizaine d'années environ, disons que depuis il me semble que vous vous êtes mis en retraite environ en 2007, c'est oui, ça ? Oui, 2007. J'ai l'impression que vous avez adopté, vous continuez à traiter les mêmes sujets, hein, le mode de vie de la bourgeoisie, la façon de transmettre du capital, de se socialiser, mais vous avez adopté un ton peut-être plus clivant, plus polémique. Il y a quelque chose que je vous ai souvent entendu dire et que je trouve très, très intéressant, c'est que les travaux que vous avez menés pendant plusieurs décennies et qui s'appuient, qui ont un arrière-plan marxiste, bourdieusien, eh bien, les enquêtés, les bourgeois auprès desquels vous aviez travaillé, ils vous disaient, mais on se reconnaît là-dedans, vous décrivez notre fonctionnement de manière adéquate, et ils vous remerciaient pour ce travail et cette description de leur environnement. Et là, petit à petit, vous avez adopté un ton peut-être... Alors, je dirais pas forcément moins compréhensif, mais en tout cas plus critique et plus engagé. C'est-à-dire que en 2007, lorsque nous quittons le CNRS pour partir à la retraite, du coup, nous ne sommes plus tenus par notre devoir de réserve. Et nous avons pu intégrer, ce qui n'était pas possible auparavant, nous avons pu intégrer le champ politique et le champ économique. Et du coup, nous avons opéré, si vous voulez, une transversalité complète de la classe dominante. Il n'y avait plus cette rupture avec le politique et l'économique. Avant, c'était les châteaux, la chasse à cour, les ghettos du Gotha, les beaux quartiers. On travaillait aussi dans des banques, on avait fait pas mal de choses. Mais là, on attrape le politique. Donc en plus, c'est Nicolas Sarkozy, le président des riches, qui arrive à ce moment-là à l'Élysée. Et l'économique. On s'autorise à lire des livres économiques, à travailler l'économie, à devenir, si vous voulez, beaucoup plus des chercheurs en sciences sociales que des sociologues. Et alors, ça, c'est un élément explicatif. Et puis, il y en a un autre, c'est que nous, on a commencé à travailler en 1986. En 1989, le mur de Berlin s'écroule et à ce moment-là, le néolibéralisme, il n'y a plus les contre-pouvoirs des anciens pays de l'URSS, de l'Europe de l'Est, les anciens pays communistes, il n'y a plus de contre-pouvoirs, le capitalisme est roi sur la planète, le néolibéralisme a été théorisé et alors là, il faut taper très fort, très vite, pour installer le néolibéralisme sur toute la planète. Et donc la violence de classe a été multiplié par je ne sais combien. En tout cas, nous l'avons vécu dans notre chair, dans nos enquêtes, et les inégalités se sont amplifiées d'une manière considérable, et du coup, notre ton s'est durci, notre engagement, c'est pas même notre engagement, notre travail de sociologue, tout simplement, n'a fait que dire la vérité. Et si vous voulez, avec les prédateurs au pouvoir, on nous sert la soupe tous les jours avec Michel, nous avons nos cahiers, nous notons, et on n'a pas besoin de se fatiguer, ça nous tombe tout cuit dans le bec. Oui,
C'est vrai que ce que vous montrez dans ce livre, à savoir que les entrepreneurs ne sont pas les vertueux créateurs de richesses qu'on nous présente tous les jours, mais plutôt des prédateurs qui s'accaparent ce que autrui produit, c'est très parlant, on en voit des exemples au quotidien. Est-ce que cette époque néolibérale que vous décrivez, ce n'est pas aussi une époque de fusion entre les élites politiques et les élites économiques, entre la bourgeoisie et puis l'oligarchie? C'est-à-dire que c'est, comment dire ça, c'est, tout ça s'est amplifié. C'est-à-dire que les industriels devenant de plus en plus riches, je prends par exemple l'exemple de Bernard Arnault, François Pinault, tout ça s'est construit sous l'ère du Parti Socialiste avec les deux mandats de François Mitterrand. Donc il y a eu des richesses colossales qui se sont construites dans le luxe notamment, mais aussi dans l'industrie et tout ça, et dans la finance, donc des fortunes colossales, qui, du coup, ont pu s'investir, racheter des médias. L'argent, si vous voulez, permet d'acheter des biens qui ne sont pas forcément des Ferrari, des châteaux, qui peuvent être des médias, qui peuvent être des clubs de foot, qui peuvent être des matières premières dans les pays africains, des ressources agricoles. C'est ça qui est terrible. C'est que l'argent a muté et l'argent s'est transformé en une arme de destruction massive. L'argent a permis ce qu'ils appellent, eux, la mondialisation, et ce que nous n'appelons jamais la mondialisation, mais la marchandisation du monde, c'est-à-dire qu'ils transforment tout en source de profit pour les actionnaires. Voilà. Et c'est vrai que le néolibéralisme, c'est quand même cette phase du développement du système capitaliste extrêmement violente, où il n'y a plus un seul champ de l'activité économique et sociale qui peut revendiquer une certaine autonomie. Ça, c'était justement tout l'intérêt du système théorique de Bourdieu, que de montrer que le champ universitaire avait son autonomie, que le champ de l'art avait son autonomie, le champ économique, voilà. Et le champ de l'école, le champ scolaire. Et puis, tout ça a été balayé par, justement, une oligarchie qui s'accapare au sommet de tous les champs, de tous les univers institutionnels, qui s'accapare tous les pouvoirs de manière polyvalente. Au Cameroun, le roi de l'huile de palme paraît intouchable. Car Bolloré l'Africain pèse lourd. En 20 ans, il a progressivement investi un autre secteur stratégique, le transport. Présent dans plus de 40 pays, il a fait main basse sur l'activité la plus lucrative, celle des terminaux à conteneurs. À chaque appel d'offres, ou presque, il rafle la mise. Il en gère 14, du Congo jusqu'à la Guinée, en passant par le Togo ou le Gabon. Chiffre d'affaires, 2,5 milliards d'euros, 25 000 salariés. En Afrique, tout le monde connaît Monsieur Bolloré. Vous, là, vous écoutez, vous défendez et vous concevez la société comme étant structurée entre différentes classes sociales, ce qui était un vieux concept aujourd'hui considéré par beaucoup comme obsolète. Mais ça va même plus loin que ça, c'est que vous considérez qu'il y a une lutte entre ces classes sociales. Cette idée-là, aujourd'hui, elle est assez minoritaire. En tout cas, elle n'a plus l'importance qu'elle pouvait avoir pendant la seconde moitié du XXe siècle. Comment est-ce que vous expliquez qu'on ait abandonné ce vocabulaire des classes sociales et l'idée même d'une lutte des classes? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on a abandonné, que je ne peux pas parler de moi, puisque nous, on ne l'a justement pas abandonné. Mais si vous voulez, vous avez raison quand vous dites ce que vous dites, mais on ne peut pas dire on a abandonné. On vous a imposé cet abandon. C'est-à-dire que les patrons du CAC 40 étant propriétaires de tous les grands médias, ils décervellent leurs lecteurs, ils lobotomisent les cerveaux. Il y a tout un travail qui est fait, qui emprunte à la fois à la sociologie, à la psychologie sociale et aux neurosciences pour faire en sorte que les dominés, pour dire les choses globalement, les classes moyennes et les classes populaires, soient tellement tétanisés par la charge des nantis et des puissants que l'idée même du changement
dans une sidération, dans une dislocation symbolique de soi avec soi, empêche même l'idée du changement. Et tout est fait pour justement cacher l'arbitraire des rapports de classe, parce que cet arbitraire des rapports de classe, il s'explique tout simplement. Si vous naissez à Neuilly dans une famille riche, vous allez hériter des titres de propriété, que ce soit des titres de propriété d'entreprise, des titres de propriété de valeur mobilière, vous allez hériter, et avec ces titres de propriété, vous allez pouvoir exploiter la force de travail des autres. Donc ça, c'est un arbitraire total qu'il faut absolument cacher. Et du coup, le maquillage d'une société en classe sociale avec des rapports de classe antagoniques et violents, ceci doit être masqué sous un espèce de climat cotonneux qui avance sous le masque de la démocratie et des droits de l'homme, alors qu'en réalité, si on suit nos enquêtes, on est face à un totalitarisme qui atteint son sommet aujourd'hui avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Cette classe dominante, elle a des visages qu'on peut trouver dans les bottins mondains, dans le houshou, et elle a un nom, c'est la bourgeoisie. Alors justement, est-ce qu'on peut creuser un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois et en quoi être riche, ça ne suffit pas à faire de moi un bourgeois? Parce que vous dites un ouvrier qui demain gagne 15 millions au loto, ça ne fait pas de lui du jour au lendemain un bourgeois. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Ça ne fera d'ailleurs jamais un bourgeois. Et d'ailleurs, nous avons fait un travail sur les grands gagnants du loto, les millionnaires de la chance, où on montre qu'en réalité, les gagnants du loto, donc tout est comme avant, il n'y a qu'une variable qui change, tout d'un coup, ils sont très riches. Eh bien, grâce à l'aide de la Française des Jeux qui a instauré un espèce d'accompagnement collectif, un accompagnement sociologique des grands gagnants qu'on réunit ensemble, qui apprennent à apprivoiser cette fortune, ces millions d'euros qu'ils ont gagnés dans souvent des êtres d'origine modeste, parce que si vous voulez, les trois quarts des Français sont des gens modestes, et comme là, c'est le seul endroit démocratique de la société, méritocratique, chacun a la même chance de gagner, à condition de jouer, bien sûr. Mais là, il n'y a pas d'entourloupette, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de... Voilà. Et donc finalement, les gagnants, quand ils ont gagné, ils intègrent cet argent dans leur être. Donc un ouvrier, il va rester ouvrier avec son habitus de classe, mais il va avoir une vie qui va être plus... il va déployer sa vie dans ses valeurs de classe, voilà. Et donc, si vous voulez, les riches, eux, les bourgeois, souvent on se les représente comme ayant beaucoup d'argent. Ce qui est vrai, c'est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que pour être bourgeois, pour accéder au club des nantis, pour accéder au ghetto du Gotha, il faut trois autres formes de richesse. Alors, c'est la richesse sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester longtemps riche tout seul, il faut absolument accéder, montrer patte blanche, et pour ça, aller dans des tas de soirées mondaines, faire des tas de choses avec les autres de votre classe, et puis finalement, être coopté dans un cercle, que vos enfants soient cooptés dans les rallyes, parce que ça, c'est vraiment très très fort, c'est une spécificité de cette classe. Elle n'a pas besoin de sociologue, elle n'a pas besoin de statisticien. D'ailleurs, il n'existe pas dans la nomenclature des catégories socioprofessionnelles de l'INSEE. Ils n'ont pas besoin de statisticien. C'est eux qui décident qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Donc, à travers les réseaux sociaux, le capital social, comme disait Pierre Bourdieu. Ensuite, le capital culturel, parce que contrairement au désir de nos chers collègues du CNRS qui vivaient les grands bourgeois pour des béotiens, puisque... Imaginez qu'on puisse être dans le cumul de l'argent et de la culture, c'était juste inimaginable, voire insupportable. Donc on est dans le monde des grandes écoles, l'ENA, Polytechnique, HEC, on est dans le monde des collectionneurs d'art, on est dans le monde de la culture savante, de l'opéra, des musées, voilà. Et enfin,
la dernière forme de richesse, qui est la plus importante, c'est la richesse symbolique. C'est-à-dire, c'est tout ce qui va venir symboliser les trois premières formes de richesse dont je viens de parler. Et alors, la richesse symbolique, donc, elle symbolise le fait que vous appartenez à la haute, que vous faites partie de ce milieu. Alors, ça se voit déjà dans votre corps. Vous voyez, tout de suite, je me suis un peu redressée. J'ai essayé de me tenir droite, parce qu'ils ont toujours des corps droits, fins, altiers, voilà. Parce qu'il faut que l'arbitraire de leurs privilèges se transforme en qualité naturelle. Et ça, c'est très fort. Et donc, dès tout petit, tout est codifié, formalisé. Anne-Claire, à 4 ans, remontez vos sourcils en sortant de la piscine, dit la grand-mère à sa petite fille. Voilà, le symbole, c'est aussi le château classé monument historique. Le symbole, c'est évidemment les patronymes familiaux. Hein, quand on s'appelle Rothschild ou Vindel, il ne peut pas y avoir de brebis galeuses. Le troupeau se mobilisera pour réintégrer la brebis galeuse parce qu'elle possède un capital symbolique qu'il est hors de question de salir. L'aristocratie, la vieille noblesse française, se réfugie, elle, dans le meilleur des ghettos dorés à Genève. C'est ici que vit Jean-Sébastien, 24 ans. Ce jeune homme a décidé de faire du Gotha son business. Il a créé un magazine qui raconte même leur vie. La force de People and Gotha, quand je l'ai créé, c'est que j'étais déjà dans cet univers. Donc fatalement, ce business s'était créé en m'amusant, je dirais. C'est un peu sale gosse de dire ça, mais c'est la vérité. Ce qui illustre le Gotha, c'est quand même des gens qui ont des valeurs, qui ont une certaine morale. Et ça, c'est important, des gens qui perpétuent la tradition et qui donnent l'exemple. Il y a un autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, c'est celui de l'évasion fiscale, parce que vous dites que ces riches, ils exercent une forme de violence sur la société. Et cette violence, alors, elle se traduit de multiples manières, mais l'une d'elles, c'est vraiment ce refus de payer l'impôt en allant optimiser ou même le planquer dans des paradis fiscaux. Et en 2008, après la crise, il y a eu tout un tas de promesses qui ont été faites par nos dirigeants, dont celle de mettre un terme aux paradis fiscaux. On en est où aujourd'hui? Parce que ça fait bientôt 10 ans que cette promesse a été faite. Ben, je pense qu'on a perdu toutes les batailles menées contre la fraude fiscale, puisque aujourd'hui, je pense que ça va être leur mondialisation, ça va être les riches, les multinationales, les grosses entreprises ne seront plus taxées ou très bas. Puisque Trump a annoncé, une des premières mesures, que le taux d'imposition des sociétés aux États-Unis allait passer de 30 à 15%. Et donc, on voit ce processus qui se met en place. Et au fond, même en Europe, finalement, ce qui va s'homogénéiser, c'est le fait que les dominants ne payeront plus ou très peu d'impôts. Hein. Depuis la crise de 2007-2008, au fond, tout est allé, alors que ce sont ces gens-là de la finance qui ont fomenté cette crise, organisé cette crise comme une arme pour transformer, c'est des armes d'asservissement des peuples, vraiment. Alors, je suis pas du tout dans la théorie du complot, parce que je suis en train de vous démontrer le fonctionnement normalement marxiste d'une classe sociale. Hein, j'ai pas besoin de complot, parce que cette classe sociale n'a pas de chef d'orchestre. Hein, c'est chacun qui représente les intérêts de sa classe. Donc, je pars, et puis après, je perds mon fil. Donc, cette crise-là, vraiment, a été instrumentalisée pour asservir les peuples d'Europe et après les peuples du tiers-monde, puisque même on leur fabrique des crises, des endettements, etc. Donc, avec Michel, aujourd'hui, on est passé de la lutte de classe à la guerre de classe, et ça, nous l'assumons complètement. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à voir le monde autrement. On écoute des gens qui auraient d'autres points de vue, mais en général, leurs points de vue ne tiennent pas la route par rapport à la force de cette vision du monde, une guerre que les plus riches mènent contre les peuples, à travers la planète, parce que grâce à l'évolution des technologies, grâce à la révolution dans les neurosciences, dans la robotique, enfin tout ça, il y aura trop d'êtres humains sur la planète, et de toute façon, il y en a d'ores et déjà trop, et du coup, le réchauffement climatique est parti,
et les plus riches, c'est ce que nous montrons dans le premier chapitre des prédateurs du pouvoir, organisent même l'accélération du réchauffement climatique. On va y venir sur la question du réchauffement climatique parce qu'elle me semble centrale, mais je voudrais rebondir sur cette notion de guerre de classe. Est-ce que cette guerre de classe, elle ne se joue pas aussi au niveau de la justice, des institutions judiciaires? Parce que là, on parlait d'évasion fiscale. Ce qui est étonnant, c'est que très peu d'exilés fiscaux, même quand éventuellement c'est révélé par la presse, sont ensuite punis, font l'objet de sanctions, alors que dans le même temps, on entend régulièrement ces faits divers de une pauvre femme qui a volé 3 pommes pour nourrir ses enfants et qui prend de la prison ferme pour un petit larcin. Est-ce qu'on peut parler de justice de classe, de deux poids, deux mesures? Oh, ben ça, complètement. Et alors, ce qu'il y a eu d'extraordinaire dans le livre qu'on a écrit, La tentative d'évasion fiscale, c'est qu'on a bénéficié d'inspecteurs des impôts qui ont accepté de nous parler sous anonymat. Et donc, on a écrit un chapitre sur la complicité de Bercy, c'est-à-dire au cœur de l'État, où les plus hauts responsables de l'État favorisent la fraude fiscale de leurs camarades de classe. Et donc, on peut prendre l'exemple de Jérôme Cahuzac, qui est emblématique de ça, puisque Jérôme Cahuzac avait commencé à mettre de l'argent en Suisse dès 1992, et l'affaire avec Mediapart date de décembre 2012, donc 20 ans après, alors que dès les années 2000, c'est bien ressorti de son procès, tout le monde savait qu'il avait des comptes. Et donc, pourquoi ? Alors, en plus, c'est allé très loin dans l'affaire de Jérôme Cahuzac. Non seulement il savait, mais il le nomme ministre du budget. Or, en France, il y a une dérogation au droit commun exclusivement réservée au ministre du budget, c'est-à-dire qu'il n'y a que le ministre du budget qui peut enclencher une poursuite au pénal pour des raisons fiscales. C'est-à-dire que, alors qu'il y a la séparation des pouvoirs qui est quand même inscrite dans notre Constitution, ben là, on s'en tape. Hein, c'est-à-dire que là, vraiment, l'administration fiscale, ce n'est pas le procureur qui peut lancer des poursuites au pénal en matière fiscale. Donc, ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est le chef de gare, Jérôme Cahuzac, il avait la possibilité, en tant que ministre du budget, d'aiguiller les petits fraudeurs vers le pénal, et par contre les dizaines de milliers de gros fraudeurs qui ont été découverts, pas du tout par la traque de Bercy, puisque là on supprime les personnels n'ont plus les moyens de travailler, ces dizaines de milliers de gros fraudeurs qui sont actuellement dans les cellules de repentance et de négociation de Bercy, ne relèvent que du travail de lanceur d'alerte, de conflits familiaux, parce que là les divorces et les mésententes entre la mère et la fille, c'est parfait. D'accord. Il y a quand même un sujet qui m'intrigue, c'est celui de la philanthropie, parce que d'accord, d'un côté ces grands capitalistes, ils pratiquent de l'optimisation fiscale, voire de l'évasion fiscale. On peut penser à Amancio Ortega, oui c'est ça, le fondateur de Zara en Espagne, ou à Bernard Arnault. Et puis mais en même temps, ces gens-là, Ortega, c'est ce qu'il a fait tout récemment, il a donné 300 millions d'euros pour acheter du matériel médical pour les hôpitaux espagnols. Bernard Arnault, il pratique le mécénat à échelle industrielle. Donc, on a l'impression que d'un côté, ces gens se soustraient au bien commun refusant de payer l'impôt. Et en même temps, pourtant, ils donnent des sommes qui ne sont pas négligeables pour financer des œuvres culturelles ou des activités sanitaires. Comment est-ce qu'on résout ce paradoxe? Parce que ça me semble, au moins en apparence, être un paradoxe. Oui, c'est en apparence. Parce que quand on est sociologue et qu'on déconstruit les apparences, on s'aperçoit qu'il y a une logique. C'est-à-dire qu'au fond, les Bernard Arnault et autres François Pinault, ce qu'ils veulent, c'est être vraiment les responsables de la société française, ceux qui ont toutes les richesses et tous les pouvoirs. Et l'État qui défendrait un tout petit peu l'intérêt général, où il y aurait la droite et la gauche libérale qui se disputeraient pour des postes, où il y aurait le public et le privé, vous voyez, ça ne leur va pas du tout. Eux, ils veulent être
pas du tout dans le conflit d'intérêts, mais dans la synthèse des intérêts de l'oligarchie. Ça forme un tout, si vous voulez, l'oligarchie. Donc, du coup, ils ont beaucoup d'argent, ils ne veulent pas payer d'impôts. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que j'aurais dû le dire avant. Ils ne veulent pas payer d'impôts, parce que, si vous voulez, ça leur permet, en ne payant pas leurs impôts, en France, ça représente à peu près 80 milliards d'euros qui manquent chaque année dans les recettes fiscales de Bercy. C'est énorme, puisque ça correspond au déficit public. Donc, si vous voulez, en ne payant pas les impôts, ils construisent, c'est une construction sociale, ils construisent le déficit et ils demandent au peuple français de le rembourser. Donc, c'est une arme, d'asservissement. Et par rapport à la culture, si vous voulez, alors donc, ça leur donne les moyens de construire la Fondation Louis Vuitton, de faire beaucoup de choses dans le domaine de l'art contemporain, éventuellement de la philanthropie vis-à-vis des hôpitaux. Enfin, ce n'est pas le cas en France, c'est plutôt orienté vers le marché de l'art. Alors que ça doit relever de l'intérêt général, ça doit être pris en charge collectivement. Tandis que là, ça devient la propriété de l'oligarchie. Alors qu'en réalité, c'est nous qui payons. La Fondation Louis Vuitton, 800 millions d'euros. Nous, le peuple français, nous en avons payé 60%. 60%, ça représente des centaines de millions. Le principal actionnaire de la Fondation Vuitton, c'est nous. C'est le peuple qui est le principal actionnaire. Parce qu'ils disent qu'ils font du mécénat, mais ils s'arrangent en amont pour que ce mécénat soit quasiment totalement défiscalisé. La France est le pays où on défiscalise au mieux le mécénat depuis 2003. C'est un peu un rêve devenu réalité, parce que quand j'ai demandé à Franck de réaliser une fondation, je ne pensais pas qu'on arriverait à quelque chose d'aussi sensationnel. Ce que j'ai demandé à Franck, et qu'il a accepté dès le début, c'est que l'extérieur laisse s'exprimer toute sa créativité et que l'intérieur soit véritablement utilisable pour présenter les œuvres. It looks beautiful and it's exciting. C'est un cadeau pour les Parisiens, très clairement, parce que ce lieu deviendra une propriété de la ville de Paris dans 50 ans. Je pense que, de toute façon, la France a besoin de ça, non ? It looks like it's come from a passionate place. I mean, it's vast, it's huge. It's been put together by somebody who really believes in it. It's a cloud. Un dinosaure très chic, très blanc. But I think there is something that makes sense when you say dinosaur. So it's a very old cloud. No, but also I think it has this very impressive kind of position immediately, which is very dinosaur. It will be here longer than us. C'est pourquoi, comme président de la République, je suis particulièrement fier d'inaugurer un grand monument de Paris, un grand monument du 21e siècle, le vôtre. Son succès sera celui de la France tout entière. Merci. Je pense que ça, au plan international, ça va montrer que la France reste un pays où la créativité est vraiment à son sommet. Et donc, au lieu que ce soit l'État, la représentation nationale, volonté finalement majoritaire qui décide à quoi est-ce qu'on attribue ces sommes, quel type de politique culturelle dans la santé, quel type de maladie, et ben en fait, c'est eux qui, de manière individuelle, décident ce qu'ils vont faire de ces sommes astronomiques. C'est ça qui est assez scandaleux. Vous avez parlé tout à l'heure de réchauffement climatique. Alors, il y a tout un passage là-dessus dans votre dernier ouvrage. Là, c'est édifiant parce qu'on se dit le réchauffement climatique, pour le coup, on a tous à y perdre. On n'a pas envie de finir les pieds dans l'eau ou les maisons submergées. Et vous dites, et pourtant, pour les capitalistes, là aussi c'est une aubaine, là aussi c'est une source supplémentaire de profit, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a tout un business à faire, y compris avec les soi-disant énergies renouvelables. Il y a beaucoup de choses à tirer du réchauffement climatique pour faire de nouveaux profits. Mais nous, ce qui nous intéressait plus, c'était de montrer que même ils essayaient d'aggraver
le réchauffement climatique en créant, si vous voulez, en marchandisant le réchauffement climatique. Ça veut dire en créant un marché financier spécifique au règlement climatique avec des produits financiers conçus pour accélérer le réchauffement climatique. Alors c'est par exemple les droits à polluer, ça c'est un oxymore délicieux, les droits à polluer, c'est un marché financier. Un autre marché financier porte sur les paris sur les catastrophes qui vont arriver. Voilà, et donc tout ça se fait parce qu'au fond, ils ont dans l'idée qu'on est trop nombreux sur la planète et qu'il y a beaucoup de pauvres qui sont inutiles. Et donc, il y a un processus de déshumanisation de l'autre dissemblable. Le pape François a résumé ça dans son encyclique « Loué sois-tu » d'une façon extraordinaire, je trouve. Il dit « Les ouvriers sont passés du statut d'exploité à celui de déchet ». C'est-à-dire ce processus de déshumanisation où, alors que les ouvriers, les salariés, nous les intellectuels, vous les journalistes, enfin, c'est nous qui sommes les créateurs de richesses, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Et nous, on devient des coûts, on devient des charges, on devient des problèmes. Et donc des variables d'ajustement, des lignes comptables. Et les riches qui ont inversé la lutte de classe à leur profit, eux sont devenus des créateurs de richesses et des créateurs d'emplois. C'est quand même hallucinant. Et ce qu'il y a d'hallucinant, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Il y a une bonne partie du discours altermondialiste et puis encore du discours de gauche hein, aujourd'hui qui consiste à présenter l'État comme une solution, un remède possible aux dégâts qui sont des dégâts sanitaires, sociaux, environnementaux que causent les multinationales. Moi, en vous lisant, je suis assez sceptique sur les possibilités d'utiliser l'État comme rempart face aux multinationales parce que quand vous racontez la mise en place des traités de libre-échange, quand vous racontez combien les États subventionnent les énergies fossiles plutôt que les énergies renouvelables, on se dit, mais est-ce qu'ils ne sont pas plus complices que remède de ce que font les multinationales ? Ça, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que du fait que cette oligarchie occupe aujourd'hui, tous les postes dominants, y compris dans le champ politique, ce qui n'était pas le cas auparavant, y compris dans le champ politique, ceci amène à la mise en place aujourd'hui d'une oligarchie mondialisée. Alors, on voit par exemple que Emmanuel Macron, avant d'être candidat à la présidentielle, est passé par Bilderberg. Donc voilà, c'est une instance mondialisée qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale par les Américains et où, de manière informelle, il n'y a pas un chef d'orchestre, ce n'est pas la théorie du complot, mais on met de l'huile dans les rouages de la mondialisation de l'oligarchie. Et au fond, ce qu'ils veulent, c'est un monde qui soit leur jardin, mais pour eux, et ils n'auront pas besoin de tous les pauvres aujourd'hui, des milliards de gens qui sont en trop par rapport aux ressources d'une planète en état de finitude. Il y a toute une partie de vos travaux qu'on n'a pas encore abordée, sur lesquels je voudrais vous poser une question, c'est la sociologie de la ville, parce que vous vous êtes intéressé à l'agencement de l'espace urbain. Je crois savoir, je ne sais pas si on a le droit de le dire, que vous êtes en train de finaliser un ouvrage aussi sur le sujet, où vous montrez très bien comment cette violence, elle s'exprime, elle se manifeste aussi à travers des logiques urbaines. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce cas qui va faire l'objet de votre prochain livre, parce que je trouve que plus que de la théorie, il est très très parlant pour comprendre comment la violence des riches s'exerce au quotidien. C'est ici, dans le très chic 16e arrondissement de Paris, en bordure du bois de Boulogne, que doit être construit un centre d'hébergement pour SDF. Le 16e, c'est l'un des quartiers les plus chers de la capitale, à 9 200 € du mètre carré en moyenne. Et ça ne vous gêne pas qu'il y ait des SDF près de chez vous ? Non, enfin, de toute façon, ils sont dans la rue, autant qu'ils soient logés quelque part. Non, franchement, c'est une bonne chose. Okay. C'est une bonne chose, même si on est dans de beaux quartiers, c'est toujours bien. Mais en tout cas, ils sont bien placés. C'est très bien en soi, mais loin de chez moi. Plus personne ne veut d'appartement en face des migrants.
Nous ne pouvons plus le vendre. L'appartement a perdu la moitié de sa valeur. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et alors, on m'a dit que c'était pas des migrants, hein, c'est des SDF. Oui, bah c'est mieux, vous trouvez. C'est ce genre d'opinion tranchée que l'on va retrouver le soir même. Fac de Paris Dauphine, 19h. C'est là qu'a lieu une réunion d'information de la mairie de Paris sur le projet. C'est la cohue. Plus d'un millier d'habitants hostiles au centre d'hébergement sont là. Dehors, le Front National tracte et joue sur les fantasmes de l'invasion étrangère. Hors sujet, le centre n'hébergera que des SDF et non pas des migrants. Là, c'est des SDF, c'est pas des migrants en l'occurrence. Écoutez, de toute façon, c'est pas la même chose, vous avez raison, mais moi j'ai lu que c'était des migrants comme ça. Non, la mairie dit que c'est des SDF. La mairie de Paris ou la mairie de Paris? La mairie de Paris. Alors, M. Boisguen, en tout cas, dit bien que c'est des migrants et les riverains disent bien que c'est des migrants. Claude Boisguen, le maire Les Républicains du 16e, chef de file politique des opposants au projet, assiste au premier rang à la réunion. La salle est chauffée à blanc. Cacophonie et insultes à l'encontre d'une représentante de l'État. Alors, incroyable. Pour calmer la salle, la représentante du préfet se croit obligée de préciser qu'il n'y aura pas de migrants dans le centre d'hébergement. Qui va-t-on mettre dans ce centre d'hébergement d'urgence? On ne mettra pas de migrants. C'est l'État. Bon. Il n'y aura pas de personnes venant de Calais ou d'ailleurs, c'est-à-dire qui arrivent de l'Afrique ou d'ailleurs. Oui, alors là, c'est un centre d'hébergement pour sans-abri que la ville de Paris, avec Anne Hidalgo et son maire adjoint communiste au logement, Yann Brossat, ont décidé d'installer dans le 16e arrondissement, qui était totalement dépourvu de places d'hébergement d'urgence pour sans-abri. Et les grands bourgeois du 16e arrondissement, sous la houlette de leur maire, un vrai maire de combat, Claude Goasguen, les Républicains, entre guillemets, bien sûr, se sont opposés à ce projet, comme ils se sont opposés aussi à l'implantation de logements sociaux, chaque fois avec des recours, enfin, c'est toujours... voilà. Alors qu'ils veulent protéger leur entre-soi. Et cela, c'est très important pour eux de protéger leur entre-soi, parce que c'est dans des entre-soi constants, que ce soit l'entre-soi résidentiel dans le 7e arrondissement, dans le 7e, enfin à Neuilly, des entre-soi résidentiels où ils ne sont qu'entre eux, qui est un processus d'ailleurs positif, c'est un processus d'agrégation avant d'être un processus négatif d'évitement de son dissemblable ou de ségrégation, c'est être entre soi parce qu'on est plus riche au contact avec les plus riches, avec les autres riches, parce que ça se démultiplie. Là, aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai un peu mal aux jambes, mais je vais faire un peu d'étirement, ça me fait du bien. C'est donc accompagné de Johanna qu'Edouard a rendez-vous aujourd'hui chez Gérard. Toujours dans le Triangle d'Or, évidemment. L'endroit n'a l'air de rien, mais ne vous y trompez pas. Gérard, c'est l'entraîneur du président de la République, Nicolas Sarkozy, de la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, et du boxeur Brahim Asloum, le coach des stars. Si je me sens bien, déjà, je suis chez des amis. Il y a des gens un petit peu privés qui viennent ici. Il y a une clientèle un peu particulière. Il n'entraîne que des stars. Et moi, je suis le moins star, mais il m'entraîne quand même. Pour avoir la chance de transpirer avec Gérard à l'abri des regards, c'est 700 euros pour 2 heures. Et c'est vrai, on le voit quand on se promène dans le 16e arrondissement. On voit bien qu'on est dans des paysages urbains complètement différents du 20e arrondissement où on est là, les rues sont larges, il y a des arbres, l'architecture est très décorée. Voilà, on voit très bien qu'on est dans une sociologie, dans un social qui est objectivé dans des formes urbaines et architecturales de façon totalement différente des autres quartiers. Cet entre-soi se fait au niveau résidentiel, mais après, il ne cesse de se reproduire. Il se retrouve dans les cercles, il se retrouve dans les tribunes des hippodromes, il se retrouve dans les premières d'opéra, de cinéma, de théâtre, il se retrouve dans les instances des musées nationaux, dans les conseils d'administration, évidemment, il se retrouve à la trilatérale, Bilderberg. Il ne cesse d'être entre eux. Et le fait qu'il soit toujours entre eux, ça leur donne cette force
parce que ça leur permet de se créer un sentiment d'impunité, un sentiment d'impunité de classe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mauvaise conscience, ils n'ont pas de culpabilité individuelle de ce qu'ils font. C'est quand même pas possible, c'est criminel, c'est des crimes contre l'humanité. Il faut dire les choses comme elles sont. Spéculer sur le réchauffement climatique, c'est un crime contre l'humanité. Et voilà, et ça, c'est ça notre job, notre travail de sociologue, c'est d'arriver à construire ce sentiment d'impunité pour mieux connaître l'adversaire et mieux le combattre. Est-ce que ce sentiment d'impunité, cet entre-soi, cette opulence, ça rend les riches plus heureux que le reste de la population? Parce que c'est peut-être ça aussi derrière l'une des questions. Et puis est-ce que d'ailleurs, ils ont la même conception du bonheur que les autres classes sociales? Est-ce qu'on a des études là-dessus? Est-ce que la sociologie peut nous éclairer un petit peu sur cette vieille question de savoir si l'argent fait le bonheur? En tout cas, est-ce qu'il fait celui des riches? Oui, alors c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que, bien sûr que l'argent fait le bonheur dans une société où l'argent est le nerf de la guerre, c'est évident que l'argent fait le bonheur. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la façon dont les membres des classes moyennes, et notamment les sociologues du CNRS, font de nécessité vertu, en disant « nous, on est beaucoup plus heureux qu'eux, parce qu'on n'est pas… » voilà. Alors que nous, on l'a décrit, ça, dans un de nos livres qui s'appelle « Grande fortune » chez Payot. On a décrit au contraire que le bonheur, on l'avait rencontré chez ces gens-là. Parce que c'est très simple à comprendre. Au fond, ils sont construits dans un habitus de classe, ils sont construits avec des valeurs, des dispositions grandes bourgeoises. Ils ont une éducation spécifique, des écoles spécifiques, des lieux de loisirs spécifiques, une façon de parler spécifique, etc. Et après, tout au long de leur vie, ils vont rencontrer des conditions de la pratique pour déployer cet habitus de classe qui seront toujours harmonieuses. Tandis que nous, les membres des classes moyennes, on est toujours dans le travail de deuil. On rêve tous d'avoir une petite maison, place de la Concorde, tout ça. Et puis non, on est obligé de s'acheter un pauvre appartement dans le 20e où on va subir le bruit des voisins, mais on aura quand même un petit balcon, on se rassure comme on peut. Voilà. Et on est tout le temps dans la dualité. C'est pour ça qu'il y a toujours des faux débats dans les classes moyennes. Et c'est pour ça que la gauche n'arrive pas à avancer comme elle devrait avancer. Parce qu'on se noie dans des débats sans fin, parce que c'est de ça que l'on se nourrit, alors qu'on devrait se dire non, il faut qu'on soit dans le cumul de nos différences et qu'on se fédère. On est 99%, ils sont qu'1%, c'est juste impensable que ce soit possible. Vos analyses, mais en fait, comme la plupart des analyses qui remettent en cause le consensus néolibéral, elles sont parfois taxées de populisme. Et vous, c'est le terme vraiment en vogue. Hein. Et vous, à ça, vous répondez que le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant le populisme que le bourgeoisisme. Oui. C'est quoi le bourgeoisisme? C'est-à-dire que c'est les bourgeois, tous les experts, les économistes, les journalistes à la solde de ces gens-là, qui sont des militants. Les militants, pour moi, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas mon mari, c'est eux. Ils sont toujours, toujours en train de nous servir la soupe venimeuse du néolibéralisme, de l'expertise, du chiffre, de statistiques qui ne veulent rien dire, de corrompre le langage, la pensée avec des oxymores, en disant le tout, en disant blanc pour faire avancer le noir. Et voilà. Et donc, si vous voulez, ils sont capables de manipulation, d'une orchestration gravissime pour obtenir un esclavagisme moderne. Et vous voyez, le capitalisme s'est construit sur le servage, l'esclavagisme, l'exploitation de la force de travail. Et là, on revient à l'esclavage, mais avec le consentement des esclaves. C'est ça qui est horrible dans ce que nous avons à vivre aujourd'hui. C'est horrible quand on y réfléchit, qu'on est capable de se poser sur cette réflexion-là.
Une des manières dont la bourgeoisie obtient le consentement des autres classes sociales à cet ordre qui lui bénéficie, c'est cette fable sans cesse racontée que si on est riche, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé, c'est le fruit de nos efforts, on le mérite. Alors qu'en réalité, bon, il n'y a même pas besoin forcément des sociologues pour ça. La richesse, on sait qu'elle est héritée, qu'elle repose sur des titres de propriété, donc qu'elle a un fondement arbitraire et pas méritocratique. Mais alors, moi, il y a une question que je voudrais vous poser parce que vous avez fréquenté, vous continuez de fréquenter depuis longtemps ces grands bourgeois, c'est à quel point est-ce qu'ils croient à ce mensonge qu'ils racontent aux autres qu'ils sont là parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont fait des efforts? À quel point est-ce qu'ils professent ce mensonge de manière cynique ou au contraire, est-ce qu'ils sont pris par le mensonge qu'ils racontent aux autres? Parce que quelque part, on peut se dire, et j'avais lu ça sous la plume de Bourdieu, que le meilleur menteur, celui qui est le plus persuasif, c'est celui qui, en réalité, commence par se mentir à lui-même. Exactement. Ben, j'ai rien d'autre à ajouter, vous l'avez dit parfaitement. C'est ça la définition du pervers. Hein, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même, qui le sait, mais qui ne le sait plus, et qui est le mensonge incarné. Et donc le néolibéralisme, on peut faire des parallèles comme ça entre l'individu néolibéral, qui est un individu pervers narcissique, et le néolibéralisme, qui est d'une violence de classe épouvantable. On peut faire des parallèles comme ça. Et au fond, la bourgeoisie elle-même, elle a besoin d'y croire. Et ça, je ne me rappelle plus la phrase tout de suite comme ça par cœur de Paul Nizan, qui est trop belle. Et il dit ça, la bourgeoisie, elle doit exploiter pour elle seule, massacrer pour elle seule, mais massacrer en croyant qu'elle fait le bien de l'humanité, mais elle-même doit le croire. C'est ça, d'accord. C'est en 1932. Et donc, et elle-même doit le croire. Et c'est ça qui décuple sa force, c'est ça qui fait qu'elle se croit tout permis, quoi. L'homme d'affaires François Pinault possède l'une des plus importantes collections d'art contemporain au monde. En 2006, après avoir échoué à installer sa collection sur l'île Seguin, à Boulogne, c'est Venise qu'il avait choisi pour exposer ses plus belles pièces. La parole à François Pinault. Aujourd'hui, François Pinault annonce son retour en France, à Paris. Je suis français, je vis à Paris, à belle lurette depuis toujours. J'ai d'ailleurs eu envie de commencer à Paris, ça n'a pas pu se faire. Le nouvel écrin pour sa collection sera la Bourse de Commerce, l'ancienne Halle aux Grains, monument classé, situé à deux pas du Louvre et dans le prolongement du nouvel aménagement des Halles. C'est une excellente nouvelle. C'est vraiment un signal de cette attractivité, de cette énergie de Paris. L'édifice fera l'objet de travaux de rénovation importants et rapides. La décision de François Pinault de s'installer à Paris a été accélérée par les attentats. Comme tout le monde, j'étais choqué, très choqué par ce qui s'est passé. Ça l'a accéléré, en tout cas accéléré ma motivation de pouvoir le faire un jour. On a beaucoup parlé de violence des riches, c'est le titre d'un de vos ouvrages. L'an dernier, dans l'actualité, il y a aussi eu des chemises arrachées, des vitrines brisées, des distributeurs de billets saccagés. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une violence des pauvres, d'une violence des exploités, des opprimés? Et si oui, du coup, qu'est-ce qui distingue la violence des riches de la violence des pauvres, puisque j'imagine que vous ne les mettez pas sur le même plan? C'est-à-dire que la violence des riches est une violence beaucoup plus invisible, beaucoup plus inaudible. C'est une violence qui provient de l'illégalisme. C'est-à-dire que c'est les riches qui font les lois, et du coup, ils transforment leurs intérêts particuliers en intérêt général. Donc du coup, la magouille est faite très en amont. Alors que pour les pauvres, ils sont victimes des lois qui défendent les intérêts des plus riches, et donc ils n'ont comme arme que éventuellement ce type de violence, soit de vol de biens, de violence physique, mais c'est des toutes petites violences par rapport à la vraie violence de classe que mènent les plus riches contre les peuples, parce que là, et je pèse mes mots, je veux dire, on est dans une situation où on peut se permettre de parler comme ça, parce que la planète est véritablement en danger, et il y a un processus de déshumanisation des êtres humains qui a peut-être rarement atteint les sommets qu'on est en train d'atteindre, et on n'est pas sorti du tunnel. Donc je pense qu'il est très important qu'il y ait des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience comme nous, on se vit avec Michel,
pour justement, et vous voyez, je suis heureuse d'être avec vous là aujourd'hui, heureuse de parler de tout ce travail qu'on a fait, avec l'espoir qu'il y aura des auditeurs pour nous entendre tous les deux, parce que vraiment la situation est extrêmement grave, et si on laisse passer le temps, eh ben, vous avez là un Emmanuel Macron qui s'est installé à l'Élysée. Emmanuel Macron, ça va fonctionner comme un effet de cliquet. C'est-à-dire qu'il va installer des tas de choses qui vont être irréversibles. Il va détruire le Parlement. Il va faire en sorte qu'on va avancer de façon très vite et très violente dans le néolibéralisme. Et donc, il faut réagir véritablement dès cet été aux ordonnances contre le Code du travail et les droits sociaux. Il faut pas avoir peur parce qu'il faut se dire « demain sera pire ». Est-ce que Emmanuel Macron, c'est vraiment un libéral? Ce que j'entends par là, c'est que sur le plan économique, ça ne fait aucun doute. Il s'attaque déjà au droit du travail, aux services publics. Là-dessus, on sait quels intérêts il défend. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que politiquement, c'est aussi un libéral? Parce qu'on l'a souvent présenté comme ça, comme quelqu'un qui allait peut-être appliquer une politique économique néolibérale, mais qui en même temps allait défendre les valeurs de la démocratie, les libertés individuelles. Et pourtant, ce qu'on voit après à peine quelques mois de mandat, c'est les ordonnances, c'est l'état d'urgence dans le droit commun, c'est la posture martiale aussi. Et donc, en ce sens-là, il me paraît beaucoup plus autoritaire, en réalité, que libéral. Ah oui, là, il va jusqu'au bout de ce que peut permettre la Ve République. Et à mon avis, il ira au-delà. Non, vraiment, Emmanuel Macron, il est totalement emblématique pour moi du système oligarchique, c'est-à-dire il dit blanc pour faire noir. Et donc, je n'ai aucune confiance dans ce président de la République pour faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et je suis très pessimiste sur ce qui va advenir. Et est-ce que le Front National fait aussi partie de ce système oligarchique parce que lui-même se présente comme le premier parti ouvrier de France, comme le défenseur du petit peuple contre les élites financières? Et vous, dans cet ouvrage, vous êtes allé voir du côté du profil sociologique des dirigeants, du côté aussi de leur vote au Parlement européen, ce qui est très instructif. Et ça vient un peu, nuancer le propos. Ah ben, pas nuancer, casser le propos. Le casser, il faut dire les choses comme elles sont, parce que quand on voit que Marine Le Pen s'oppose au Parlement européen à la création d'une commission d'enquête sur les rescrits fiscaux au Luxembourg, voilà, on voit de quel côté elle est. Quand tous les députés européens du Front National ont voté oui au secret des affaires pour protéger justement les petites magouilles oligarchiques. Et ce qu'il y a eu de très intéressant, et c'est pour ça qu'on a sorti ce livre, c'était un peu un livre, un coup de colère, parce qu'on avait tout le monde, Emmanuel Macron en premier, il était contre le système, alors qu'il avait travaillé avec Nicolas Sarkozy. Ensuite, il était allé chez Rothschild, il travaille avec François Hollande, il est ministre de l'économie et des finances, poste qu'il n'abandonne que même pas 6 mois avant de faire part de sa candidature. Non, oui, enfin, je m'embrouille les pinceaux quelques jours même, enfin voilà. Donc, ici, il y a un candidat du système, c'est lui. Hein. Donc, lui, il était anti-système. Marine Le Pen, elle est au cœur du système, avec un nombre de nobles d'ancien régime considérable au plus haut poste de responsabilité, plein d'affaires sur le dos déjà. Donc, une femme des beaux quartiers, d'une dynastie familiale qui est faite même partie politique. Hein. Le FN, c'est la famille Le Pen sur 3 générations. Donc, franchement, ça fait vraiment très ancien régime, là, pour le coup. Ben, même Jean-Luc Mélenchon était contre le système, alors que lui, c'est par pareil, je veux dire, il a fait toute sa carrière en politique en cumulant les mandats. Voilà, ils ont tous, c'était vraiment intéressant. Il fallait tous qu'ils se présentent contre un système dont ils faisaient tous partie. Enfin, sauf, alors évidemment, je ne parle pas de Philippe Poutou, d'ailleurs je ne l'ai pas nommé, puisque lui, s'il y avait quelqu'un qui était hors système, c'était précisément celui qui a eu ce mot magnifique contre Marine Le Pen avec son immunité ouvrière qui m'a réjoui.
Qu'est-ce qu'on peut dire des rapports entre le patronat et le Front National? Parce que moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est la vitesse à laquelle Pierre Gattaz, qui avait initialement parié sur François Fillon, a retourné sa veste comme ça du jour au lendemain. Quand il a vu que Fillon était coulé, il a dit « Oh ben, on va sur Macron et Macron, ce sera très bien aussi ». Et du coup, on se demande « Mais est-ce que demain, en 2022, il pourrait aussi rapidement retourner sa veste pour aller voir du côté du Front National, qui pourrait être un appui politique à la casse sociale que pratique le MEDEF. Donc est-ce que... Ben oui, ben j'ai pas, vous dites bien les choses, je trouve, parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils vont là où va leurs intérêts. Oui. Le MEDEF, si vous voulez, nous... L'argent n'a pas de couleur politique. Voilà, dans les classes moyennes, on a des fidélités, on a des... Non, eux, ce qui est important, c'est que c'est la défense de leurs intérêts, et les intérêts de l'oligarchie sont au-dessus de toutes les autres coquetteries de fidélité ou d'amitié, voilà. On avait commencé avec une question personnelle et je voudrais qu'on conclue cet entretien avec une question personnelle. Cette campagne des législatives, vous n'avez pas seulement été observatrice, analyste, sociologue, vous l'avez aussi faite en tant que candidate dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé ce passage de la théorie à la pratique, de l'enquête à l'action en tant que telle? Oui. Alors, à vrai dire, j'ai été sollicitée, c'est-à-dire que je ne demandais rien à personne. J'ai été sollicitée par un certain nombre d'associations, de partis, pour être candidate dans cette circonscription qui n'était pas gagnable par la gauche, mais qui, si on faisait l'unité, était, on pouvait être au second tour, enfin bref, peu importe. Mais ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'on ne me demandait pas d'avoir un programme de députés qui s'engagerait sur des problèmes d'autoroute, de... Voilà. Non, c'était... On me demandait d'être sociologue. On me demandait que notre travail à Michel et moi soit mon programme de député, soit ce que j'allais défendre pendant les deux mois, les huit semaines, pendant lesquelles on a tracté sur les marchés, on a fait du porte-à-porte avec toute une équipe. J'étais vraiment, c'était très collectif, j'étais très épaulée, très encadrée. Et du coup, c'était vraiment intéressant parce que je me présentais comme sociologue au porte-à-porte. Et les gens, ils ne me disaient pas, mais enfin, écoutez, on n'a pas besoin de sociologue comme des... C'était pas du tout ça. C'était au contraire un accueil très favorable. La sociologie est un sport de combat. Avec Michel, nous n'avons jamais oublié nos gants de boxe au vestiaire. Et ça a produit des effets. La sociologie peut être là au cœur d'un débat politique, s'inviter en tant que science pour apporter un enrichissement à la pensée, pour apporter des mots pour que les... C'est vrai que les gens, quand ils nous écoutent, ils sont contents. C'est-à-dire que nous n'avons pas la langue de bois du tout. Nous avons des enquêtes importantes, nombreuses, publiées, sourcées, qui nous donnent la légitimité de notre franchise, la légitimité de propos assumés. Ça fait du bien. Vraiment. Et les gens nous renvoient cette image, y compris au porte-à-porte ou sur les marchés. C'était quelque chose qui nous était rendu comme reconnaissance. Eh bien, moi, cet entretien m'a fait beaucoup de bien. J'espère et je ne doute pas qu'il en aura été de même pour ceux et celles qui nous regardent. Et je vous remercie à nouveau. C'est moi qui vous remercie parce que j'ai trouvé vos questions intéressantes et puis que vous formuliez mieux les choses que moi. Mais enfin, c'est vos réponses qui étaient tout à fait éclairantes. Et puis surtout, on continuera à vous lire avec grand plaisir. Puisque, oui, panique dans le 16e. Panique dans le 16e, voilà, le prochain opus. Oui. Merci beaucoup.